Le paralytique au bord de la piscine de Bethesda attendait d'être jeté dans l'eau. C'est le grand comeback de la sœur Laetitia Céleste sur la scène musicale. Après un long moment d'absence, celle qui a fait ses débuts aux côtés de Papa Roy avec le groupe Wilson Classic est à Brazzaville depuis près d'un mois pour renforcer la promotion de son tout premier disque en solo intitulé C'est encore possible, un album de 9 titres. J'ai voulu prendre vraiment assez de temps pour essayer de donner quelque chose de bon, de meilleur, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce que j'ai eu à faire déjà dans ma carrière avec Wisdom, avec tout ce que j'ai. Je fais un mélange, c'est comme la dernière fois, tu as dit un cocktail de musique, donc ça demandait vraiment du temps. Et justement, le temps là, c'était dans la prière, la méditation, la préparation. Je voulais prendre vraiment du temps pour, avant de ressortir de ma cachette. Son expérience à Wilson Classic a été de beaucoup pour sa carrière musicale et après s'être installée en Europe, elle est aujourd'hui au sommet de son art et en très bonne forme, plus que jamais décidée à transmettre l'espoir à travers sa voix, car a-t-elle indiqué, rien n'est impossible à Dieu. S'il est capable de donner la vie aux ossements desséchés ou encore donner la vie à une chair pourrie, attends. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour régler mon problème? C'est encore possible que je vive mon miracle, c'est encore possible que tu vives ton miracle, c'est encore possible que nous tous nous puissions vivre notre miracle. Il suffit d'avoir un peu de foi. Sa tournée promotionnelle à Brazzaville a été sanctionnée par un concert public livré dimanche dernier à l'esplanade de la préfecture de la ville capitale. Au cours de cette interview qu'elle nous a accordée à près d'une semaine de la Fête internationale de la musique, elle a saisi l'occasion pour évoquer les difficultés actuelles de la production musicale. C'est vraiment compliqué, hein. faut vraiment le dire. Il n'y a pas de producteur. Les gens n'ont pas vraiment la volonté de s'investir dans la musique. Il y en a qui ont peur des pirateries. Il y en a qui ont peur aujourd'hui, ils disent que la musique ne paye pas bonbon. C'est ce qu'ils disent. Moi, je pense que quand on fait une belle promotion, on tire toujours quand même l'avantage dans la musique. Moi, je lance un appel à tous ceux qui ont les moyens de soutenir la musique. Surtout du Congo. Hein. Et j'encourage les gens qui découvrent les talents comme ça de les soutenir. On en a besoin. Moi, particulièrement, moi la première. Ça ne veut pas dire que je ferme les portes à ceux qui viendront me soutenir. J'en ai besoin. L'autoproduction, ce n'est pas facile. En studio, sur scène ou en a cappella, Laetitia Céleste garde la même finesse. C'est encore possible que tu vives ton miracle. Est juste un...